Bonjour à tous, c'est B61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Age of Empires. Donc toujours le même scénario où j'ai pas mal galéré au début, mais maintenant ça va, je commence à bien m'installer, même si on a quand même une limite de temps hein, avec la fameuse merveille. Donc vous voyez que depuis, j'ai construit quelques bâtiments avant de reprendre l'enregistrement pour gagner du temps. Donc ça se déroule pas trop mal. Par contre, il y a un truc qui est étrange, c'est que regardez la vie de la tour là, à chaque boulet. Normalement, ça doit la dégommer rapidement, quand même, c'est une tour et j'ai quand même une catapulte, théoriquement. Et bah, regardez, ça enlève juste un point de vie par boulet. Alors, je sais pas pourquoi, c'est assez étrange. Pourtant, tout à l'heure, j'en avais deux ou trois, mais ça descendait quand même super vite, donc ça faisait pas moins un point de vie par boulet, je pense pas. Et là, ça me fait ça, c'est hyper chelou, mais ça fait ça. Donc du coup, alors eux sont au chômage, alors je vais juste en supprimer un pour relancer une fabrique. Ah merde, putain, je suis déjà à fond encore. Parce que j'aimerais faire un premier rush de bateau, ne serait-ce que pour diminuer un petit peu le nombre d'ennemis qui va arriver. Sauf que là, il faudrait que j'élimine je vais trouver mes mots. Des personnages, tout simplement. Mais je sais pas lesquels, parce que là, ils sont tous utiles en quelque sorte. Donc, ouais. Bon, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va les emmener. Hop. Ils seront plus utiles là-bas qu'ici. Et là, je vais pas abandonner la base, mais c'est presque ça, quoi. Parce que bon. Il n'y a plus besoin de grand monde. Ici, il n'y aura plus beaucoup de ressources bientôt. Parce que là, vous remarquez qu'il n'y a plus beaucoup de bois. Tout ce qui est minerai est parti. Il y a juste des bâtiments. Mais les bâtiments, je m'en fous vraiment. Parce que si je me fais attaquer, je peux toujours en recréer ici. Ce sera vraiment mon QG ici, parce que là, c'est vraiment là qu'il y aura le plus d'attaques prochainement. Donc je vais l'aider à détruire la tour, parce que sinon, on n'est vraiment pas fini. Hein. Mais je sais pas pourquoi elle est hyper résistante, la machine. Jamais vu ça, la tour blindée, quoi. Blindée, bunker, tout ce que vous voulez, quoi. Truc totalement pété. Donc voilà, alors est-ce qu'il y a des rouges à péter ici? Ouais. Il y a beaucoup de rouge. Ce qu'on va faire, déjà, on va rester reculé et on va shooter les peurs dans un premier temps. Voilà. Hop, je vais mettre mes unités à terre. Tac, toi, tu vas soigner celui-là. Et vous, vous allez aller dans le bateau. Et je vais déjà lancer un assaut avec ça, mais ça va rien faire parce qu'ils sont tellement nombreux que c'est pas terrible. Mais bon, c'est l'histoire déjà de commencer à attaquer, quoi. Parce qu'on a vraiment plus beaucoup de temps, je pense. Donc, pas trop se permettre d'attendre le dégel. Allez, c'est parti. Putain, et puis ils ont des moines, quoi. Ça, c'est horrible, les moines, là. Bon, j'aurais bien blessé le bateau, en tout cas. Donc on va refaire des bateaux, ça tombe bien. J'ai vraiment nettoyé les côtes et après je vais rusher dans le tas. On va faire ça. Eux sont déjà au chômage. Bon, de toute façon, il me faut essentiellement du bois, donc c'est pas bien grave. Je vais bûcher là aussi, parce qu'il y a pas mal de trucs ici. Hop. Et on va produire du bateau en masse. Et les jaunes, on va essayer de les ignorer au maximum. J'espère qu'ils vont pas trop m'emmerder. Allez, c'est parti. Ouais, je pense qu'avec cette technique-là, on va bien rusher, quand même. Là, j'ai quand même réfléchi un petit peu avant de la faire, donc je pense qu'on a moyen de faire quelque chose de bien. Ça descend assez vite, le bois, on en a en stock, donc c'est parfait. Donc ça va, les autres, là. Hop, ils vont couper du bois. Bon, là, on m'attaque encore, mais qu'est-ce que vous voulez pas que je m'en fous, mais presque, on va dire. Mais bon, j'ai de la pierre, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais quand même faire d'autres tours, au cas où. Parce que j'ai quand même des habitations et tout, ça va éviter de tout reconstruire, quand même. Je vais essayer de me protéger comme ça. Hop. Tac. Tac. Et tac. Allez, construis-moi ça. Alors, ça en est où? Moine de merde, on va les shooter, ces connards. Voilà. Voilà. Les catapultes, on fait attention. On continue de shooter les tours.
Là, je pense qu'on est pas mal. Hein. Hop, vous allez bûcher. Je vais nettoyer cette zone-là, comme ça, ce sera mieux pour le déplacement des unités. Allez, après, on shoot les éléphants, et là, ça sera déjà un peu plus propre sur la côte, quoi. Si je peux dire. Parce que, bon, on tue quand même des êtres humains, enfin, théoriquement, parce que, bon, ça reste des pixels, mais bon, voilà, quoi. Surtout, oui, ça reste des pixels. Ce que j'allais dire, ça reste des polygones, mais bon. Après, de toute façon, à l'affichage, c'est des pixels. Mais là, ça risque pas d'être des polygones, parce que, bon, c'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais bon, pour ceux qui connaissent le jeu, le savent. Même si, éventuellement, normalement, ça reste visible, hein, mais bon, pour ceux qui connaissent pas trop grand-chose en jeu vidéo, les deux premiers jeux Vampire sont intégralement en deux dimensions. C'est que de la 2D, là, ce que vous voyez, c'est juste de la 2D animée, hein, ce qui permet, par exemple, de voir l'éléphant bouger. Mais c'est que de la 2D, hein. Y a pas du tout de 3D là-dedans. Alors ce qui est chiant, c'est les foutus... Oh là là, putain. Le nombre de balises, le nombre de catapultes, ils ont mis la totale. Voilà. On va essayer de shooter la dernière. Ah non, j'ai pas pu. C'est pas grave, on va en faire d'autres. On est équipé pour, hein. Qu'est-ce qu'il détruit? Ah oui, d'accord, ils viennent jusqu'ici maintenant. Ok. Putain, ils me lâcheront jamais les jaunes, hein, avec leur débarquement intensif, là. Donc ça, c'est bon, il a quasi tout construit, c'est parfait. Je vais en faire d'autres. Histoire de protéger mes petits bûcherons, quand même. Parce que bon, ils ont rien demandé, en plus ils sont très rentables, donc ce serait dommage de m'en débarrasser. Allez, va construire ça. Hop. Allez, c'est reparti. Donc on va finir le côté en haut, là, et puis ça sera pas mal, je pense. Alors, la catapulte. On va la shooter. Voilà. Alors, je vais m'éloigner un petit peu, parce que ce qui est bien, c'est que j'ai plus de portée que les tours. Enfin, un peu près, parce que là, ils arrivent quand même à m'attaquer, mais bon. On va rester comme ça. Et ça, c'est cool. Hop. Et ce qui est bien, c'est que là, avec les trois ports, là, je fournis vraiment les bateaux rapidement. Et à chaque fois qu'on me les détruit, bah, ça remonte très vite, quoi. Donc la catapulte, c'est bien, elle reste là, au moins, elle couvre un peu quand ils viennent me saouler. Oh putain, ils ramènent leur catapulte encore. Ah non, même pas. En fait, ils les ramènent pas, mais ils ont tellement de portée que... On peut pas faire grand-chose, quoi. Bon, je me débarrasse d'abord des tours et après les éléphants les dégomment. Hop, hop. C'est reparti. Ouais, ce qui est dommage, c'est que vous voyez, il suffit qu'il y aura un petit peu plus de terrain, genre jusqu'ici, et je pourrais convertir avec le moine. Mais bon, faut pas trop en demander, c'est déjà pas mal. Le petit éléphant, pour l'instant, il est sympa, donc on va le laisser. Mais je pense qu'après, je le tuerai, ça fait toujours de la nourriture en plus. Alors, par contre, si vous pouvez attaquer tous la même chose, ça serait mieux. Parce que là, c'est un peu le bordel, pas du tout contrôlé, quoi. Hop. Donc on est déjà... ouais, enfin, on n'est pas vraiment à 13 minutes, parce qu'en fait, j'ai lancé l'enregistrement. Et je me suis dit, je vais d'abord construire les ports, faire tout ça... avant de commencer, donc en réalité, j'en ai même pas 10 minutes, parce que j'ai commencé à 5 minutes quasi pile, quoi. Donc, comme ça, on a de la marge. Bon, ça serait bien, je termine ce scénario dans cette vidéo, ça serait vraiment cool. Après, ce que je demande la lune, on verra bien. Mais ça serait cool. Donc ça... Putain, ouais, elle est bientôt terminée, là. Ça va être juste... J'ai bien nettoyé la zone. Je vais commencer à débarquer. Le problème, c'est les catapultes qui foutent le bordel, mais je peux pas faire grand chose face à eux. Voilà, donc eux ont déjà fini de couper le bois, hein, ils coupent super vite. C'est pas grave, il y a de la place encore. Ah oui, merde, ok. Il y a encore une foutue tour là qui fait chier. Bon, c'est pas grave, il y a du bois coupé de ce côté-là. Allez, soit tu vas me shooter la tour, mais ce qui est chiant, c'est que ça enlève vraiment pas beaucoup de vie, mais bon. Le temps qu'il coupe tous ces arbres-là, déjà, je pense que...
C'est toujours un point de vie en moins, mais bon. C'est mieux que rien. Allez, vite. Je shoot la maison vite fait parce qu'elle a pas de vie, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres unités que je peux péter, là? Mis à part ces catapultes de merde. Je sais même pas si je peux les avoir d'ici. Apparemment, j'arrive à les toucher. Mais bon, elles reculent, donc après, c'est le désastre total. Conversion de merde. Ah putain, mais j'arrive pas à les atteindre. J'ai pas assez de portée et je peux rien faire contre ça. Ça fait chier les tours, les catapultes de merde là. Je vais même pas faire des cavaliers parce que les cavaliers que j'ai, c'est des cavaliers qui viennent de l'âge de pierre. Les trucs ils sont complètement pétés, c'est de la merde. Donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir faire. Je vais essayer un rush comme ça, vite fait. Oh putain, ça y est, les 2000 ans arrivent. Ça va être chaud. Putain, ça descend super vite, regardez là. Comment ça descend vite. Je sais même pas si je vais gagner en fait. Là, j'avais confiance au début, mais. C'est bon, j'ai même pas encore accosté. Ça y est, c'est le bordel quoi. Allez, on va essayer de rusher. Donc, ok, apparemment. Oh putain, l'armée qu'ils ont. Oh, c'est pas grave, ils ont tué leurs potes, ça c'est cool. Ils ont quand même tué pas mal de leurs potes. Bon, je peux faire cette technique là en mode bourrin, mais bon, ça va pas marcher des tonnes. Toi tu vas rejoindre ton pote. Bon, apparemment ouais, la muraille est très proche. Hein. C'est juste qu'il y a énormément d'unités quoi. Mais il y a moyen, il y a moyen. Hop, voilà. Alors toi, viens par là. Je vais faire d'autres académies puisque là faut aller vite quand même. Donc c'est I je crois. Hein. Ouais c'est ça. I, B, I. Toi, je vais te détruire parce que tu sers plus à rien. Tu prends de la place. Voilà. Donc, on va faire ça à fond. Par contre, là, niveau. J'ai pas fait attention, mais niveau nourriture, ça va être juste. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire des fermes au pire. C'est pas terrible, mais j'ai que ça. Ils ont détruit des bâtiments, ces connards, ou quoi? Ou c'est juste la forêt? Je sais pas. Bon, je fais des fermes à l'arrache. Hop. Voilà. Déjà, au moins, j'aurai un petit peu de nourriture sans trop regarder. Voilà, là, on est pas mal. Tac. Putain, il prend du temps à la construire, son académie. Putain, 1500 ans déjà. Oh là là. Faut rusher, là, j'ai pas le choix. Allez, hop. Allez, dépêche-toi. Putain, catapulte de merde. Hein. Allez, maniez-vous le train. Je vais rusher comme un bâtard juste pour qu'ils dégomment leurs unités au passage. Voilà, vous voyez, ils dégomment leurs unités comme des trous du cul. Voilà. Comme ça, au moins, ça m'évite de les shooter. Chacun son tour de galérer avec ses catapultes. De toute façon, c'est le même problème pour tous. Hein. Les catapultes, c'est une horreur. Toi, tu vas faire autre chose. Ils ont fini de péter la tour, ouais, c'est bon. Bah tiens, vous allez faire ça. J'ai essayé de me mettre assez loin et shooter quelques tours. Ça va être chaud parce qu'avec les catapultes, c'est juste pas possible, limite, mais bon. On va essayer. Putain, il me reste plus beaucoup de temps. Hein. Allez, c'est parti. Par où je peux attaquer? Elle a peut-être par en haut, peut-être passer par en haut, je vais essayer. Je vais mettre vite fait là-bas.
Voilà, c'est reparti. Alors, je sais pas ce qui se passe en haut. Oh putain, ils ont mis tous leurs archers ici. Ouais, d'accord. Ok, merci d'être venu, au revoir. Oh putain, je vais perdre, là. J'ai plus assez de temps. Putain, c'est une course contre la montre, le truc. Ah ouais, t'as pas eu le temps de passer, mon gars. Je vais refaire la même technique. Putain, ils dégomment même leur tour, comme des abrutis. Allez, peut-être le cavalier. Non, il n'y a pas son cadavre, donc il a survécu. C'est reparti. Par contre, l'or, j'espère que ça va pas manquer. Bon, il m'en reste pas mal, mais bon, ça descend vite. Parce que là, il n'y a pas de production. Allez, c'est reparti. Putain, ça va être chaud niveau temps. Je vais essayer de refaire des catapultes, mais... Je suis pas sûr de moi. Oula. Le bateau qui a fait crever. Faudra des unités plus rapides en fait. Je vais essayer de faire des cavaliers juste pour... même si c'est de la merde, c'est juste pour qu'elles aillent vite. Vite à la merveille quoi. Et que les catapultes dégomment mes cavaliers, mais ça va dégommer leur merveille en même temps. Ça, c'est l'objectif du truc en fait. C'est juste ça que je veux. Vas-y, pose-les. Ah la vache, ils ont failli crever. Ah la vache, putain. Ça descend vite. Donc l'écurie, c'est bon. Vous allez crever, vous servez plus à rien. Allez, éclaireur. Putain, j'ai plus beaucoup de temps. Ah, vous voyez la vie, comment elle descend ? C'est pas mal. Attendez, on va réessayer le temps que les éclaireurs soient pondus. Hop, on va en refaire plusieurs. Parce que ça fait pas beaucoup de dégâts, mais on s'en fout. C'est vraiment pour que les catapultes dégomment eux-mêmes leur truc, quoi. Allez, là, on y arrive, je pense. Je vais esquiver pas mal, là, je pense. Allez, maniez vos culs. Allez, balancez vos tirs comme des bâtards. Ah merde, ils ont pas fait beaucoup de dégâts. Viens par là. Voilà. Bon là, j'ai emmené plus de monde que prévu, mais c'est pas grave. Faut que je continue à en créer quand même. Allez, shootez-moi ça. Oh putain, il n'y a pas eu beaucoup de tirs de catapulte là. Putain, mais je vais perdre, là. J'ai plus assez de temps, on fait chier. Je vais perdre, là. J'ai plus assez de temps. Putain, la sauvegarde est date de 10 ans en plus, je crois. Enfin, 10 ans façon de parler, mais... J'espère qu'elle dure pas trop longtemps, parce que là, je crois que j'ai pas sauvegardé depuis très longtemps, quand même. Ah, vous voyez, c'est fini. Vous voyez, la vitesse, ça descend. Hein. J'aurais même pas le temps d'y aller. Allez, grimpe. C'est mort, de toute façon. Bon, c'est plein, de toute façon. Bon, c'est perdu. On a combien? 24 minutes. Bon, en réalité, on est à peu près à 20. Allez, génial. Alors, commence. Non, c'est pas ça. Moi, je veux ma petite sauvegarde. Putain, j'aurais dû re-sauvegarder. Merde, c'est pas ça. Charger, plutôt. Mais c'est pas ça, j'ai re-sauvegardé après. Putain, je crois que j'ai re-sauvegardé par-dessus. Putain, mais quel connard, putain.
Faut que je recommence tout, MG. Putain, je vais me suicider là. J'en ai marre. Putain, mais ça casse les couilles. C'est pas possible. Me dites pas, j'ai. Putain, en parlant comme un connard, voilà, j'ai fait que de la merde. De toute façon, quitter la partie, hein. Faut que je fasse recommencer. Ça a changé le truc, j'ai fait un retour Windows. Bon bah ce qu'on va faire, je vais arrêter la capture maintenant. Et puis on se retrouve bah, d'ici quelques instants, je vais essayer de refaire ce que j'ai fait, là ça va prendre 10 ans. Je pense que je vais cheater, hein. Là honnêtement, je vais faire des cheat codes je pense. Pour vite revoir ma base là, parce que sinon ça va prendre 10 ans à être refait, là ça fait déjà bien 1h30 que je suis sur le scénario, parce que là il est 15h, j'ai dû commencer, ouais, il devait être 13h20, 13h30. Donc voilà, ça commence à faire long. Donc je vous dis à tout de suite. Donc me revoilà. Donc j'ai tout recréé. En fait, j'ai dit que j'allais cheater, mais le problème c'est que les cheats qui m'intéressent forcément, ça marche aussi avec l'ennemi. Donc en disant ça, en fait, je pense tout simplement à ouais, c'est stéroïde, je crois. En fait, ce qui permet de construire tout direct. En fait, il n'y a plus de temps de chargement. C'est dès que tu as construit un truc, c'est bon. Enfin, dès que tu lances la construction, il suffit que le mec il arrive, il donne un coup de marteau, c'est fini. Sauf que le problème, c'est que stéroïde marche aussi avec les ennemis. Donc, cette putain de merveille se construisait instantanément. Donc, du coup, j'ai dû recommencer. Et en fait, j'ai fait une autre stratégie. Puisque je pouvais pas cheater avec ce truc-là, parce que le reste ça me sert à rien de toute façon, à part avoir des unités sur-cheatées, mais bon là il n'y a plus trop d'intérêt. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma technique habituelle, mais au lieu de revenir ici et construire un port, j'ai totalement déserté cette ville et je suis allé directement là-bas. Et dès le départ, j'avais fait un bateau avec 5 hoplites pour aller shooter cette tour-là et que ça soit tranquille. Et l'autre bateau, il y avait deux hoplites, deux catapultes et un moine, donc celui-là, pour shooter les tours hein, habituelles et récupérer un villageois. Donc j'ai récupéré qu'un seul villageois cette fois, j'ai pas été chercher plus loin. Et j'ai foncé direct ici, j'ai fait le moins d'unités possible. Hein, les hoplites, j'en ai vraiment pas fait plus. J'en avais 7 en tout, puisque 5 dans le bateau et. Non, 4, il y en avait que 4 en fait. Dans le bateau pour ici, on n'avait que 4, je voulais pas attendre le cinquième. Et il n'y en avait que 2 de l'autre côté. Donc du coup, j'avais encore beaucoup de nourriture, ce qui m'a permis de faire énormément de villageois. Et là, je coupe du bois à fond, parce que là, je suis à fond en population, je suis à fond en bateau. Et bizarrement, ce qui est totalement pété, je trouve, et c'est là qu'on voit que d'une partie à une autre, c'est n'importe quoi. Là, vous voyez, on m'attaque plus du tout. Depuis que j'ai déserté cette île, il n'y a plus personne qui est venu. Regardez la tour, elle est quasiment pas abîmée. Et le pire, c'est celle-ci. Celle-ci, d'habitude, on me la dégomme d'office. Elle a quasiment plus de vie, mais ils viennent pas la finir. Ils viennent plus du tout. Donc du coup, bah, j'en ai profité. J'ai ramené, j'ai fait 5 pélos de là-bas, d'ici, que j'ai ramené en bateau pour récupérer juste l'or. Et je vais récupérer quand même les autres minerais, ça peut servir. Et après, je m'attaquerai au bois si j'en ai vraiment besoin, parce qu'il y a un moment là où j'en aurai plus. Mais c'est pour dire quoi, d'une partie à une autre, ça n'arrête pas de changer, c'est n'importe quoi. Donc voilà à peu près où j'en suis. Donc on va commencer à attaquer. Alors je vais adopter notre technique, bon ça sera toujours à peu près la même en mode je rush comme un connard. Et ce que je vais faire, c'est je vais essayer de les attaquer par le haut et pas au milieu, parce qu'au milieu il y a vraiment trop de trucs, même si les catapultes m'aident à niquer leur armée, c'est vraiment trop la galère. Donc je vais d'abord attaquer le haut, ça va être plus simple pour moi. Il y a moins d'unités, même si elles vont venir hein, petit à petit, mais voilà, je vais déjà niquer tout ça. Hop, je vais reculer. Là, je vais shooter les tours. Donc je vais essayer d'aller vite. Donc ça, c'est un bateau que j'ai réussi à convertir en arrivant, parce qu'en fait, comme par hasard, au moment où j'arrive ici, donc avec mon villageois et mon moine, il y a ce bateau rouge qui arrive, je venais de par là, et il a failli me niquer mon villageois, il est à deux doigts de crever, heureusement j'ai pu soigner avec le moine. Et donc du coup bah, j'ai réussi à le convertir ce connard, et du coup bon, ça me fait un petit trirème gratos quoi. Donc voilà, hop. Donc du coup je suis à combien de temps hein? Normalement j'ai, voilà, c'est même pas la moitié. Donc déjà j'ai plus de marge, là je vais vraiment rusher plus vite. Donc cette fois je vais enregistrer comme il faut, hop, et j'ai pas intérêt, mais je pense que oui, c'est ça, j'ai dû faire le con,
Le fait que ça m'énervait et que je voulais faire ça rapidement, je pense que au lieu de faire charger, j'ai dû faire enregistrer comme un connard et voilà quoi, tout simplement, je me suis chié dessus automatiquement. Donc on va éviter que ça recommence. Donc je vais finir les tours. Donc je vais refaire une production de bateau. Vous avez remarqué que là j'ai fait 4 ports au lieu de 3. Histoire d'aller toujours plus vite. Hein. C'est vraiment histoire de gagner du temps. Encore une fois. Alors ce qui est bizarre là par contre, quand j'ai refait la partie et que je shootais les tours environnantes, avec les catapultes, ça enlevait pas moins 1. Alors je sais pas si c'est un bug ou pas, parce que tout à l'heure ça enlevait moins 1, hein, si vous avez remarqué. Et là, les moindres catapultes, ça enlevait moins 20, quoi. Enfin, c'était déjà mieux, tout simplement. Que ça soit une ou plusieurs catapultes, c'était toujours du moins 20 par boulet de catapulte. Alors que tout à l'heure, c'était du moins 1, quoi. C'était n'importe quoi. Donc, je sais pas, ça a changé, c'est bizarre. Donc, je vais essayer d'attaquer par le haut, parce que finalement, la merveille, elle est juste là, hein. C'est très près. Mais si je peux contourner, et ben, je fais ça, tac. Je pense qu'il y aura moins de catapultes, j'aurai pas toutes les catapultes oranges là qui me pètent à chaque fois toutes mes unités, parce que ces catapultes là en plus elles font des dégâts de zone, donc même si j'essaie d'esquiver, elles arrivent à me péter. Donc je vais essayer de faire ça. Je vais refaire un puits de stockage. Enfin attendez, est-ce que c'est prêt ou pas? Ouais non, ça va. On va pas faire de puits de stockage. Donc, je vais shooter l'éléphant. Et après, je vais essayer de faire des débarquements par ici, quoi. Attends, on va essayer de shooter la maison en même temps. Donc, je pense que mes bateaux, je vais les laisser là. Comme ça, ils protègent mes unités qui viennent au sol. Et je vais vraiment pas m'embêter à attaquer là. Je vais vraiment contourner et shooter, shooter cette merveille à la con, quoi, tout simplement. Donc du coup ça tombe bien qu'il y ait de la place, vous je vais vous embaucher, hop, on va faire des académies en masse vu qu'il y a de la place. Ah j'espère que ça va être bon, on en a combien, 9 minutes, bon je sais pas si ça va être fini dans cette vidéo du coup, parce que là je me suis arrêté à 26 l'autre, mais j'avais commencé à 5 minutes. Hein. Donc il y a 21 minutes, on va voir, peut-être que je vais supprimer des trucs comme je vous avais dit. Quoi tu peux pas là? Ah ouais, mais s'ils commencent déjà à... Putain, merde. Ils font pas ce que je veux aussi, ils font n'importe quoi. Bon, c'est pas grave, on va rester comme ça. Chaque fois, c'est le bordel, mais bon. Arrête de... Putain, mais catapulte de merde, quoi. La meuf, la catapulte qu'obéit pas, quoi. C'est pas possible, ça. Toi, je vais te dégommer, voilà. Je vais shooter les tours, déjà. Ah mais on dégommé. Oh putain ils ont trop de portée je pense. Bon j'ai profité du fait qu'il n'y ait pas d'ennemis là. On va dégommer ça. Voilà. Une de moins. Oula ouais, il y a une sacrée armée là mais bon, c'est pas grave. En plus ils se mettent à bugger comme des cons, ça tombe bien. Voilà. Continue hein, puisque ils bug comme des abrutis, ça m'arrange. Alors du coup vous deux vous allez recouper du bois. Bon il y en a plus beaucoup hein, mais après je vais les mettre sur l'autre île. Je pense qu'après je vais faire des murailles tout autour pour me protéger. Ouais là avec ça déjà je pense que je vais bien les dégommer. On a combien là? 450, ok, donc c'est à... il reste un seul quart. Donc hop, tu m'expédies ça, tu reviens là. Je vais les mettre dans le coin pour éviter qu'elles attaquent comme des connes. Alors là, il y a pas mal d'unités, je crois. Donc 5, je pense. Ouais. Voilà, hop, tac. Et là, il me reste une et deux. Il m'en reste que deux, là. Bon, on va emmener une catapulte avec. Bon, même la deuxième. On va pas se prendre la tête, on va foncer dans le tas. Il y avait même un planqué derrière la catapulte que j'avais pas vu. Voilà.
Hop là. Ce qui est chiant, c'est qu'est-ce qu'elles vont obéir? Ouais, ça va, elles attaquent pas. C'est ça qui me casse les bonbons à chaque fois avec les catapultes, c'est qu'elles attaquent tout et n'importe quoi. Donc là, c'est bon. Voilà. Donc on va attaquer les tours. Bon, ils vont me dégommer mes trucs, hein, c'est obligé, mais... C'est histoire de faire un petit peu de diversion. Voilà. Au moins, il m'en reste une. Voilà, c'est bon. Je sais plus si j'ai enregistré, donc je vais réenregistrer au cas où, parce que j'en ai marre de me faire troller. Voilà. Allez, on y va. Je sais pas combien de mètres il me sépare. Ouais, ça va, c'est pas trop loin. Oh putain, c'est parfait s'ils viennent pas la défendre. Ça, déjà, toi, je vais te crever comme ça, tu vas pas construire. Voilà. Mais ils sont où les unités là? Mais c'est n'importe quoi, il y a plus personne ou quoi? Regardez ça, j'ai gagné. Il y a plus personne ou quoi? Alors là, j'aime bien les 10 pèlerins qui se font chier en mode on est content. Mais là, j'ai rien compris. Qu'est-ce que foutaient les rouges? J'ai tué personne là, quasiment. J'ai tué les 3 balistes, 2 catapultes, je crois, 2 éléphants, il me semble. Bon, après, j'ai buté quelques phalanges, quelques archers, et c'est tout. Ils étaient en... Soit ils étaient en mode abruti, ils avaient pas envie de défendre leur merveille, parce que bon, faut pas oublier que c'est ni un, donc l'objectif c'est pour eux de gagner avec la merveille, mais dans leur tête ils vont peut-être pas se dire attention, on doit protéger à tout prix notre merveille. Je pense qu'ils ont dû se balader, et du coup ils étaient pas sur place, et j'ai pu la dégommer vite fait, quoi. Mais vous voyez, d'une partie à une autre, comment ça peut énormément changer. C'est pour ceux qui ne connaissent pas les jeux vampires ou même les jeux stratégie en temps habituel, quoi. Vous pouvez vous rendre compte à quel point c'est du pile ou face des fois. Des fois, c'est plus ou moins de la chance pour que l'IA ne vous fasse pas trop chier. Après, il faut la bonne technique. Après, en passant par le haut, je me doutais que j'allais tomber sur moins d'ennemis. Mais de là à avoir personne à la muraille, enfin à la merveille, je ne pensais pas honnêtement. Mais bon. Tant mieux pour moi, je vais pas me plaindre parce que le scénario m'a vraiment cassé les couilles là. Puis le fait que j'ai foiré ma sauvegarde en plus, ça m'a bien fait chier. Donc conséquence historique, l'assaut combiné de la Babylone rénovée et les Médès récemment venus de l'Est fit tomber Ninive en 312 avant Jésus-Christ, mettant définitivement fin à la puissance assyrienne. En l'espace de quelques décennies, les puissants assyriens qui avaient capturé Babylone, 648 avant Jésus-Christ, et Sus 639 avant Jésus-Christ furent définitivement rayés de la carte. L'empire babylonien entra alors dans sa dernière période glorieuse. Nabuchodonosor en fut le souverain le plus notable et il est resté célèbre pour avoir pris Jérusalem, capitale de Judée, en 597 avant Jésus-Christ, après la révolte de Jérusalem en 587-586 avant Jésus-Christ, de nombreux habitants de la cité déportés à Babylone où restèrent plusieurs générations. Cette période est décrite dans la Bible comme la captivité à Babylone. La Babylone de cette époque était sans doute la cité la plus impressionnante du monde. La richesse de commerce et de l'empire servait à édifier des monuments, des ziggourats et des palais. Les murailles géantes et la porte d'Ishtar furent décrites en détail par Hérodote et comptèrent parmi les merveilles du monde. Les célèbres jardins suspendus furent édifiés à l'image d'une montagne verdoyante afin de rappeler sa région natale à la femme de Nabuchodonosor.
Le dernier empire babylonien dura jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. Cette année-là, le peuple de Babylone céda la cité au roi perse Cyrus. Lassés par une succession de dirigeants incompétents, ils finirent par s'en remettre au sage et puissant roi des Perses. Donc voilà. Alors du coup, la partie elle a duré. Ouais, même pas une heure en fait. Putain, mais là je l'ai rushé en fait le truc. Je pensais pas que ça allait être. Encore une fois, je pensais pas dégommer la merveille comme ça en mode tranquillou sans que personne m'aide. Alors après, je savais qu'en shootant le villageois, je me doutais qu'il y en avait qu'un. Parce que quand on voit la vitesse de construction de la merveille, on se doute bien qu'il y a qu'un bonhomme qui l'a construit. Et du coup, je me suis dit peut-être qu'en pétant le bonhomme, ça va arrêter la construction et au moins j'aurais pu le délai des 2000 ans quoi après. Mais comme par hasard, il n'y a pas d'ennemis, donc bon, autant péter la merveille en même temps. Quoi. Mais je reste assez choqué, quoi. C'est ça qui est hallucinant. On va voir la chronologie. Là, vous voyez, les rouges sont toujours aussi importants, j'ai rien dégommé. Quoi. Même les oranges. Par contre, les oranges auraient dû diminuer, parce que j'ai quand même shooté quelques-unes de leurs tours. Déjà celle sur l'île à droite, et au nord, à gauche aussi, enfin à l'ouest. J'en avais tué aussi, puisque fallait que je passe avec mon moine pour convertir. Donc ça aurait dû baisser, peut-être là, mais je vois pas trop. Mais là, on voit clairement que j'ai rien tué, quoi. Et même les jaunes, ils ont pas du tout bougé. Et j'ai quand même gagné, quoi. Normal. Voilà, d'une partie à une autre, ça change totalement. Donc du coup, on a terminé la voie de Babylone, donc il restera Yamato, Empire du Soleil Levant. Donc ça, il me semble que ce scénario-là est assez corsé aussi, mais bon, on verra bien. Donc en tout cas, n'hésitez pas à commenter et puis à me dire, pour ceux qui ont fait ce scénario, comment ça s'est déroulé pour vous, parce que là, je suis quand même curieux de savoir, parce que là, j'ai fait quoi, 4-5 essais en tout, avec tous les échecs que j'ai eu au début, ça se déroule de 36 manières différentes, quoi. C'est hallucinant, quoi. Il n'y a pas une partie qui est pareille, quoi. Même si au début, bon, c'est toujours à peu près le même principe, où il m'attaque progressivement avec les bateaux, tout le reste, c'est très différent. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut !